Bonasoni yolongo lingaye Yahweh Yozamalamu. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Shalom, chez nous, tout va bien. Angèle Bumba Foba. Shalom à toi. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, 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 shalom à vous. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom. Anna Serasme. Kantia Tamara la Rose. Assis. Et si à Capo, shalom à toi, shalom à tout le monde, shalom la fille aimée, fa soit bénie ma fille Pauline Pierre, shalom, shalom à toi, Pierre précieuse, sois bénie au nom de Jésus, shalom bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu, chez nous tout va bien, chez nous tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, chez nous en tout cas tout va bien, Jésus-Christ est Seigneur, chez nous tout va bien, le temps de miracle n'est pas encore fini, chez nous tout va bien, alléluia, chez nous tout va bien, que l'Éternel mon Dieu soit votre Dieu, que l'Éternel le Dieu des armées vous fasse énormément du bien, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, chez nous tout va bien, 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 bien-aimé. Shalom, shalom, shalom à tout le monde, sacré, shalom à toi, Katia Menge, shalom à toi, lorsque je vous dis de partager, n'hésitez pas de partager, vous avez vu hier, on n'a pas pu finir le direct, alors que c'était un message très, très important, ok, quand je vous dis, il faut partager, alors il faut partager. Déjà que l'argent, là, toi, tu ne partages pas. Mais au moins, on te dit seulement partage, c'est gratuit. Partage pour que tu suives le message jusqu'à la fin, pour que tu rentres dans ta délivrance. Il faut le faire, OK? Partage pour que tu avances. Il faut alors le faire. Partage pour que tu sois béni. Il faut le faire sur le prix à payer. Le prix à payer pour que notre chaîne puisse continuer à demeurer et que nous puissions continuer avec l'Éternel, c'est que tu dois faire un effort de partager. Valérie, shalom à toi, ma fille, sois bénie. Que l'Éternel, le Dieu de Clausel, ministrise à toi, soit favorable. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, chez nous, tout va bien. Alléluia. Isabelle Sambou, shalom à toi, chez nous, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je préfère que tu te déconnectes ou même que tu sois là en train de mettre juste des cœurs ou en train d'essayer de partager pour que les autres soient informés que la prière a commencé. L'Éternel même va te compter parmi les gens qui va bénir parce que tu es en train de faire l'évangélisation. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier en bénissant les autres et puis toi, il va te sauter. Non. Vous savez, il y a des directs, même des grands hommes de Dieu, même des petits hommes, je peux dire même des hommes de Dieu qui ne se sont pas encore fait connaître, que moi je partage sur les réseaux sociaux. Je le fais parce que je veux aussi que l'Éternel me bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de comprendre. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Monique. Va faire l'évangélisation. Il y a des gens, au moins que je sais vraiment, les gens qui partagent, je les vois dans des groupes. Va mettre même sur ton profil, sur ton statut, va partager même sur ton statut à toi, le message va parvenir aux autres. Nous voulons prier, bien-aimés. Affirmation positive qui marche. C'est de ça que nous voulons parler. Je veux aller droit au but parce que je ne veux pas que nous puissions durer. On a une déclaration à faire à partir de 23h30, minuit, l'heure de la France, pour nous permettre alors d'être bénis pour le mois d'octobre. Donc ici, là, on ne va pas vraiment s'attarder. On a une prière qu'on va faire tout à l'heure. Nous avons des déclarations prophétiques qu'on va faire tout à l'heure à partir de minuit, 23h30, minuit, pour nous permettre d'avancer. Alléluia. Tina Silva, sois bénie au nom de Jésus. Michel, que la main de mon Dieu soit sur toi. Zekamumba, shalom à toi, sois bénie. Ido Madio, shalom à toi. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. J'attends que vous puissiez faire l'évangélisation. Moi, j'attends ce moment. Vous savez, lorsque je vous demande quelque chose, moi-même aussi, je le fais déjà.
Je ne peux pas vous demander seulement que vous faites telle chose si moi-même je ne le fais pas. Vous allez remarquer même dans des groupes là-bas, j'ai déjà partagé. Alléluia. Pauline Pierre, sois bénie car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ma fille. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse énormément du bien. Que l'Éternel, mon Dieu, ouvre ton ciel. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon appel, te soit favorable. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Sois toujours la tête et non la queue. Que l'Éternel, mon Dieu, ouvre ton ciel. Que l'Éternel se lève et qu'il te fasse rire dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel rende possible ce qui est impossible dans ta vie, dans le nom de Jésus. Moi, je crois au miracle, parce que moi, je suis un miracle vivant. Alléluia. Je suis un miracle vivant. Que l'Éternel te fasse énormément du bien. Maria Rodriguez, shalom à tout. Shalom à toi, sorry. Que mon Dieu te bénisse. Betou Karine, shalom à toi, sois béni. Va faire l'évangélisation, va partager. Nous allons atteindre au moins même 50 ou un peu plus. Et alors, ça va nous permettre de partager sur les réseaux sociaux, de partager sur Facebook. Les déclarations prophétiques qui marchent, on va déclarer, on va parler, on va déclarer, alléluia, on va faire intervenir l'Éternel, on va déclarer, on va demander à Dieu de se lever pour que toi, tu puisses aller de l'avant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Déclaration prophétique pour que toi tu puisses être béni. Déclaration prophétique pour que toi tu ailles de l'avant. Déclaration prophétique pour que ton histoire change. Déclaration prophétique pour que ta tête soit relevée et que tu vives des miracles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu affirmes dans ta vie, l'amour, l'estime de soi-même augmente. Lorsque tu affirmes dans ta vie, tu affirmes, tu dis des bonnes paroles sur toi-même, les portes même s'ouvrent. Lorsque tu affirmes, l'impossible même devient possible pour toi. Lorsque tu prends le temps d'affirmer, je veux qu'on en parle, que toi tu partages. Mireille Sokouri, sois bénie au nom de Jésus. Pierre précieuse, je t'ai vu là. Sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ido Madio, sois bénie. Sabine, sois bénie. Faites l'évangélisation, je vous en prie. Nous allons partager sur les réseaux sociaux. Faites l'évangélisation rapidement. On n'a pas beaucoup de minutes ici parce qu'on doit alors déclarer et décréter encore à partir de 23h30 minuit pour posséder le mois d'octobre. Alléluia. Nous allons déclarer les paroles qui vont nous précéder dans le mois d'octobre. C'est-à-dire que comme demain c'est le 30, à moins que je ne me trompe, hold on, demain c'est le 30. Alors, les paroles qu'on va déclarer doivent alors s'imprégner dans notre vie, dans notre corps, âme et esprit. Et on doit vivre les miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu te lèves et que tu dises que finis le temps de la honte, finis les larmes, finis le rejet, finis l'esprit de mort prématuré, finis les surprises désagréables. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Vous voyez, parfois, on ne peut pas terminer un direct. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas partagé et les gens ont signalé. Et quand c'est signalé, ça ne nous avantage pas. OK? Céleste Lushima, shalom à toi, ma fille. Que mon Dieu te bénisse. Karine Lema, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Chez nous, tout va bien. Chez nous, tout va bien. Alléluia. Tu ne peux pas te mettre à déclarer prophétiquement si toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas te mettre à dire des choses sur toi-même si toi-même, tu ne t'aimes pas. Notre Dieu, il est fidèle. Aujourd'hui, la puissance de Dieu doit circuler dans ton corps. Lili Kachama, que mon Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie. Raïssa, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Assa Tounyang, sois bénie. Soyez bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore fini. L'Éternel est capable de te relever. Qu'on avance un peu en partageant, qu'on atteigne au moins même 50 personnes, on va alors continuer à parler. Ruchana Tukatuka, sois bénie. Que mon Dieu te bénisse, ma fille. J'espère que tu vas bien. Chez nous, tout va bien. Il faudrait que tu sois favorisé. Il faudrait que tu comprennes maintenant le secret. Il faudrait que tu saches que tu ne dois pas agir comme Pilate. Tu ne vas pas laver les mains pour le plaisir de laver les mains et dire que ce n'est pas un problème. Tu ne dois pas accepter d'être stagné dans une position. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là. Tu m'appelles, je te bloque, hein.
Alléluia. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Aimez la vidéo déjà, aimez la vidéo pour que nous puissions avancer. Aimez la vidéo, aimez la vidéo, aimez la vidéo. Vous savez, il y a une chose que j'aime dire et je répète encore, j'aimerais te dire à toi aussi. Moi, j'ai pris l'avance sur plusieurs personnes. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, lorsque tu as déjà un groupe de Facebook, en fait, tu es déjà avantageux. Pourquoi? Même si tu ne vas pas partager ailleurs, maman, je suis en Angola, Marcel Angela. Maman, je suis là, Marcel Angela. Marcel, sois béni, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Lorsque tu peux partager sur mes groupes, je reste majoritaire. Je veux te citer les groupes de Facebook que j'ai. Quelquefois, je change les noms parce que quand je mets les noms dans des groupes, c'est tout le monde qui veut prendre maintenant les mêmes noms. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certains groupes, alors moi, je change de nom. Lydie Suzanne, sois bénie. Nous avons le groupe qu'on appelle Conseil en mariage, relations et fécondité. On a un groupe Tombée enceinte en un mois. On a un groupe de Facebook toujours Miracle et délivrance 24 heures sur 24. Solution pour tomber enceinte rapidement. On a un autre groupe Prière pour la fécondité, tomber enceinte des jumeaux. On a des groupes comme ça. C'est-à-dire, si tu vas sur Facebook déjà, quand tu partages, tu es avantageux. Alléluia. Quand tu vas déjà sur Facebook, tu es en train de partager comme ça. Nous sommes avantageux et ça nous permet alors d'avancer. Au lieu d'aller quémander chez les autres, au lieu d'aller demander qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas les messages, si toi tu partages sur les groupes de Maman Clauzel, moi-même déjà, je vais approuver pour toi. Rien que sur les groupes, au total, nous avons 2 millions de personnes qui nous suivent. Je veux commencer aussi à lancer aussi le direct sur TikTok, si tout va bien, que Dieu nous aide. On va commencer à lancer le direct sur TikTok pour que nous puissions avancer. Tu dois être béni, tu dois aller de l'avant, tu dois sortir de la honte, tu dois sortir de la stagnation. Tu dois sortir des limitations. Alléluia. Il faudrait que l'Éternel te fasse énormément du bien. Il faudrait que tu refuses cet état, cette vie que tu es en train de vivre. Tu dois la refuser. Tu dois dire, Éternel, moi, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne peux pas avancer comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que être humilié. Je ne fais que être rabaissé. Je ne fais que être déconsidéré. Il faudrait que tu te dises que je dois vivre la gloire. Sacré Coco, sois béni. Je veux partager sur Facebook. Pour que je partage sur Facebook, atteignant 50 ou un peu devant. Il y a l'une de mes filles qui se marie au niveau de Londres. Les personnes qui sont au Londres, à Londres plutôt, sorry, faites-moi signe, s'il vous plaît. Ici, il y a des gens qui peuvent l'assister à son mariage. Moi, je ne peux pas aller parce qu'on a un programme du 8, 9 et 10 octobre 2021. S'il y a des personnes au niveau de Londres, faites-moi signe, s'il vous plaît, que les gens quand même puissent l'assister. Elle a trop duré. Les gens ont dit, elle a trop vieilli, elle est trop vieille. Et l'Éternel a béni, l'Éternel a restauré, l'Éternel a visité. Elle va se marier le samedi prochain. Alléluia. Evelyne, amène, partenaire de Dieu, sois béni, va faire l'évangélisation, va partager. Partenaire de Dieu, va faire l'évangélisation, partage. Partenaire de Dieu, va faire un travail, je t'en prie, va faire un travail, l'Éternel, mon Dieu, te bénira, au nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi je me lève ici à Kakpo, sois béni au nom de Jésus. Je suis en train de voir ton partage, tu as compris alors. Merci beaucoup de partager, que mon Dieu te fasse rire. Que l'Éternel, mon Dieu, rentre dans ton affaire au nom de Jésus. Et je viens prophétiser au nom de Jésus-Christ et de Nazareth que quiconque te cherchera rencontrera mon Dieu.
Que mon Dieu étende tes limites. Que mon Dieu te fasse rentrer dans ta saison. Que l'Éternel réellement te fasse rire dans le nom de Jésus. Pauline Pierre, sois miraculeusement bénie. Je te déclare bénie, ma fille. Moi, je te déclare bénie. Que la grandeur de l'Éternel se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Moi, dans ta vie, j'appelle la possibilité. J'appelle alors l'élargissement et j'appelle les témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chez nous, tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé, chez nous tout va bien. Le temps des miracles n'est pas encore fini, chez nous tout va bien. Arrête de pleurer. Toi qui es là, tu es en train tout le temps de pleurer, tu ne fais que pleurer. L'Éternel t'enverra quelqu'un qui va essuyer ses larmes. L'Éternel t'enverra quelqu'un qui viendra te consoler encore un peu de temps seulement. Alléluia. Jocelyne va partager, que mon Dieu te bénisse. Va partager au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi. Déconnectez-vous, je vous en prie, allez-y partager. Et j'ai envie de prophétiser dans la vie d'une personne, alléluia. Tu es là, tu es orpheline. Votre vie, vous ne faites que vous battre. Comme on dit que vous vous débrouillez, il n'y a rien de bon qui se passe dans votre famille. Aujourd'hui, je prie que l'Éternel intervienne pour toi au nom de Jésus. Michel, que l'Éternel, mon Dieu, te surprenne. Michel, le Dieu de mon appel, celui qui m'a donné des enfants sans trompe et sans matrice, qu'il intervienne pour toi et qu'il te surprenne agréablement au nom de Jésus. Annick Marcel, sois béni, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi, alléluia, et qu'il te fasse rire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as partagé 10 fois, dis-moi maman, moi j'ai partagé 10 fois, je vais déclarer sur toi. Lorsque tu as partagé déjà 10 fois, dis-moi seulement maman, moi j'ai partagé 10 fois, moi je vais déclarer sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre-temps, on va commencer la prière, écoute-moi très bien. Plusieurs personnes sont là en train de se poser des questions. Pourquoi mon histoire ne change pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Vous savez, dans la vie, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis, les miracles s'opèrent. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de pleurer. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que tu ne peux pas être béni. Tu as l'impression que tu ne peux pas avancer. Tu as l'impression que toi, en fait, ton histoire ne peut pas changer. Alléluia. Accroche-toi à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, je te parle. Les miracles vont s'opérer. Tu as déclaré, trop c'est trop, assez c'est assez. Tu es sorti de là. Maintenant, affirme. Affirme ce que tu as déclaré. Commence à affirmer ce que tu as déclaré. Affirme, confirme, déclare, parle, dis quelque chose, alléluia. Que ce que tu es en train de voir autour de toi ne te trompe pas et ne t'enlève pas la paix. Toi, dis à l'Éternel, moi je sais que l'heure pour moi a sonné. Même quand tu es en train de remarquer qu'on dirait qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas chez toi. Même quand tu es en train de remarquer qu'on dirait qu'il y a des portes dans ta vie qui sont fermées. Moi, je te dis, Dieu, il est avec toi. Il ne rate pas. Alléluia. Ce n'est pas mon problème. Combien de temps tu as pleuré? Ce n'est pas mon problème. Combien de temps on t'a dit des choses? Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les miracles de l'Éternel doivent se lever dans ta vie. Mon Dieu doit te bénir. Mon Dieu doit bénir ta vie au nom de Jésus-Christ. Moi, je sais, moi, j'entends, moi, je comprends et moi, je sais que toi, tu es un miracle. Ta maison est bénie. Ta famille est bénie, ton travail est béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel étend tes limites au-delà même de tes espérances, au-delà même de tes pensées, au-delà même de ton imagination dans le nom de Jésus-Christ. L'impossible prend maintenant place pour toi, by fire, by force. L'impossible prend place pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je te déclare béni. Toutes les femmes qui sont en train de témoigner, elles sont de la même nature que toi. Toi aussi, tu as le droit de rire. Toi aussi, tu as le droit de porter ton témoignage. Dans votre famille, les filles n'ont pas d'enfants. Dans votre famille, ta grande sœur, ta petite sœur, tout le monde, personne n'a des enfants. Vous n'arrivez pas à concevoir. Vous n'arrivez pas à porter des enfants. Qui est assise sur là? Qui est alors? Quelle est cette personne-là qui est assise sur vos bénédictions? Quelle est cette personne-là qui est en train de commander vos bénédictions? Quelle est cette personne-là qui est en train de télécommander vos entrailles? Quelle est cette personne-là qui est en train de dire que toi, tu ne peux pas aller de l'avant? Quelles sont des résolutions qu'eux, ils ont conclues avant, pendant ou après même votre arrivée sur la terre des vivants? Les choses doivent changer. Les choses doivent changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre doit rentrer à nouveau dans ta vie.
L'ordre doit rentrer dans ta santé. L'ordre, l'Éternel doit te faire rire dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel doit opérer des miracles sur toi dans le nom de Jésus. L'Éternel doit te donner les désirs de ton cœur. Je le déclare et décrète by fire, by force. Bien-aimés, nous voulons aller déclarer. Nous voulons aller parler. Alléluia. Nous voulons aller dire quelque chose à l'Éternel pour que les miracles s'opèrent. Je veux que tu fasses un effort. Dis à l'Éternel, Seigneur, je suis là. Fais de moi, fais de ma vie un miracle. Fais de ma vie un témoignage. Fais de ma vie une exception. Fais de ma vie, Éternel, mon Dieu, mon roi, un sujet là où les gens ouvriront la bouche et diront, l'Éternel est vraiment avec elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relève ma foi éternelle. Relève ma vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, il ne peut pas rater sa mission pour toi. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va changer. Chez nous, tout va bien. Je veux t'entendre dire tout va bien. Je veux t'entendre encore dire tout va bien. Répète encore tout va bien. Tu es une perle rare, tout va bien. Dis tout va bien. Répète seulement tout va bien. Alléluia. Dis tout va bien. L'Éternel va t'emmener au sommet. Déclare tout va bien. Tu dois prendre le temps de déclarer, d'affirmer positivement pour vivre la gloire. Tu dois prendre le temps de déclarer sur toi. Alléluia. Je ne te parle pas des récitations. Moi, je vous ai dit, il y a une chose qui se passe dans ma vie. À chaque fois que je me réveille, je mets ma jambe par terre, je dis Seigneur, merci, parce que je sais que je suis une source de bénédiction. Papa, merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour papa parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Merci pour le souffle de vie que plusieurs personnes sont en train de chercher. Pendant que je me brosse les dents, je suis en train de dire merci à l'Éternel. Sois fidèle dans les petites choses et tu le seras dans les grandes. Sois fidèle dans les petites choses. Reconnais la suprématie de Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu. Dis à l'Éternel, je suis très heureuse et reconnaissante, Seigneur, pour ta protection dans ma vie. Merci pour ta sécurité éternelle. Merci pour les miracles, Dieu des armées. Merci parce que tu m'as compté parmi les personnes que tu es en train de transformer leur histoire. C'est à mon tour éternel maintenant de témoigner. Je te dis merci Seigneur parce que rien n'est impossible à celui qui croit et moi je crois. Ne fais pas de ces choses comme étant, comment est-ce qu'on appelle ça, des coutumes. Que tu sois là en train de répéter pour le plaisir parce qu'on a dit, il faut affirmer, il faut commencer à dire non, non. Ne le dis pas comme étant une machine, mais tu dois le dire avec foi. Je vais te parler. Je dis qu'on va couper ce live directement, rapidement, pour que ça puisse nous permettre de prendre le temps de déclarer. Lorsqu'on va déclarer, on a une prière à partir de 23h30 minuit, l'heure de la France, pour nous permettre alors de prier et d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, moi, je suis un miracle. Il y a des gens qui me connaissent un peu depuis longtemps. Ils savent que moi, ma vie à moi, moi qui vous parle, moi, je suis un miracle. Alléluia. Ma vie à moi égale un miracle. C'est-à-dire que lorsque je me vois là où je suis arrivé, là où je suis là en train de te voir, toi je te connais là, je vois ma vie de plus en plus, je dis Seigneur, ma vie c'est un miracle. Ne commence pas à dire à l'Éternel, merci parce que tu me bénis. Non, non, dis à l'Éternel, merci pour la vie. Dis à l'Éternel, merci pour la vie. L'Olen de Nanzambe, dis à l'Éternel, merci pour la vie. Va prendre ta Bible. On va aller rapidement. Seigneur, je te remercie. Viens prendre le contrôle de ce direct. Seigneur, Dieu des armées, sois le maître de ce live. Prends, papa, le contrôle et la direction. Parle-nous, enseigne-nous, éternel. Montre-nous des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas, éternel, que nous ne connaissons pas. Remplis-nous de ta sagesse et de ton intelligence pour que les miracles s'opèrent. Seigneur, que moi, Clausel, je disparaisse, mais que toi, tu puisses croître. Que moi, Clausel, je ne sois pas présente, mais que toi, tu sois là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de toi pour que je parle. J'ai besoin de toi, éternel, pour que toi, papa, tu puisses restaurer la vie de tes enfants, que la méchanceté ne puisse pas prendre le dessus dans le nom de Jésus. Je viens me lever contre toute puissance. Je viens me lever contre toute forme, papa, d'envoûtement, de maladie, de distraction, de divagation des pensées dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète maintenant la flamme de feu rompre dans la vie de tes enfants, dans le corps, dans l'âme et dans les esprits, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Jésus. Maintenant, éternel. Maintenant, Dieu des armées. Maintenant, Dieu des miracles. Au Père. Au Père éternel.
Au Père éternel, Dieu des armées, donne à tes enfants les désirs de leur cœur. Tu as dit, Clausel, affirmation positive qui marche. Seigneur, moi, je veux parler. Laisse que toi, tu accomplisses ta parole. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Moi, je t'appelle le paraclet, l'ami par excellence. Viens commander. Viens diriger, viens toucher. La distance n'est pas une barrière pour que tu nous fasses du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de parler dans ta vie, Shunamieku, que mon Dieu se lève et qu'il te bénisse. Je parle à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare et décrète que le mois d'octobre sera le mois de témoignage pour toi. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, te localise et qu'il puisse permettre à ce témoignage que tu attends depuis des années de s'opérer maintenant. Moi, je te déclare béni. Reçois la faveur, reçois ton témoignage. Reçois ta joie, by fire, by force. Le même Dieu qui agit dans ma vie, le même Dieu qui a essuyé les larmes dans ma vie, le même Dieu qui a relevé la tête dans ma vie, ce même Dieu va te faire du bien. Les gens t'ont condamné, les gens t'ont bloqué. Tu es en train de chercher des enfants comme si tu ne les cherchais pas. Tu es en train de prier comme si tu ne priais pas. À la fin, tu commences à te poser la question, Seigneur, où es-tu maintenant? Je veux te voir. Tu commences à te poser la question, Seigneur, jusqu'à quand? Comment je dois prier? Comment je dois me tourner? Comment je dois jeûner? Aujourd'hui, l'État te dit, va prendre ta Bible dans le livre de Psaume 36. Je lis, la parole du méchant est au profond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux, car il se flatte à ses yeux propres pour consommer son iniquité, pour s'ouvrir à la haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient alors sur une voie qui n'est pas bonne. Il repousse pas le mal. L'Éternel, ta bonté attend jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Ta justice est comme les montagnes, Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté? Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils des hommes te cherchent. Les fils des hommes cherchent un refuge en toi. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car après toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que les pieds de l'orgueilleux ne m'atteignent pas. Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés. Ils ne peuvent pas se relever. Alléluia. C'est le psaume 36. Dieu veut te faire énormément du bien. Va prendre ta Bible encore. Je veux qu'on lise ce psaume rapidement. Le psaume 39. La Bible dit ceci. Tu vas le lire en entièreté, mais moi je vais sauter un peu. Je commence à partir du verset 3. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel dit, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme qui se promène comme un ombre, il s'agite vainement, il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi, mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, j'ouvre la bouche. Je n'ouvre pas la bouche, car toi, tu agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe à tous les attaques de tes mains. Tu châties l'homme. Tu vas lire, hein, c'est un peu jusqu'en bas. Mais là où ça m'intéresse, c'est le 13. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Avant que tu t'en ailles et que tu ne sois plus, tu as le droit de rire. Avant que tu t'en ailles et que tu ne sois plus, l'Éternel a dit, va te rassaser de longs jours sur la terre des vivants. Je vais encore répéter quelque chose que les gens prennent quelquefois mal. Les enfants, ce n'est pas au ciel qu'on va les faire. Le mariage, ce n'est pas au ciel. Le travail, ce n'est pas au ciel. La rémunération, l'argent, la promotion, ce n'est pas au ciel. C'est ici sur la terre des vivants que tu as le droit de te rassasier. C'est ici sur la terre des vivants que tu as le droit d'être heureuse.
C'est ici sur la terre des vivants que tu as le droit d'être béni. Voilà pourquoi tu vas prendre des affirmations positives. Tu vas les déclarer dans ta vie. Ta vie doit revivre. Il y a un temps pour toutes choses, la Bible a dit. Ecclésiaste 3, verset 1 à 11, tu vas le lire toi-même. Tu as toute une vie devant toi. Ta vie est stagnée. Tu es en train de prier. Tu ne crois même pas quand tu pries que les miracles peuvent s'opérer. Les affirmations positives vont te permettre de commencer à croire au-dedans de toi et d'accélérer les miracles et d'accélérer la délivrance et te permettre d'aller de l'avant. Les affirmations positives vont te permettre alors de te donner le courage et la force. Comment tu peux vouloir quelque chose quand toi-même déjà tu ne t'aimes pas? Comment tu peux vouloir un miracle comme toi-même déjà tu te sous-estimes? Comment tu peux vouloir quelque chose lorsque toi-même tu vois très bien que la mort est partout? Comment tu peux demander à l'Éternel, bénis-moi? Lorsque toi-même déjà tu ne vois pas cette bénédiction, il y a des gens qui prient. Tu fermes les yeux chez toi, il n'y a rien, tu ne vois jamais quelque chose. Tu dois prendre le temps de faire des affirmations. Je te dis, les affirmations, ça marche. Les affirmations vont te permettre même d'être en bonne santé. J'ai parlé hier et je répète, trouve-toi un miroir. Fais des affirmations même devant un miroir. Lève-toi devant un miroir. Affirme positivement que la bonté de l'Éternel se lève sur toi parce que c'est très bénéfique. Récite-les à haute voix. Dis à haute voix, je suis une grande femme d'affaires. Je suis bénie. Dieu est avec moi. Je fais des profits. Je rentre là, aucune personne de ma famille n'a atteint. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas que les gens dans ta famille réussissent. Mais toi, tu veux battre les records. Tu dois le déclarer. Mon mari est béni. Cet homme, il m'épouse à cette date. Seigneur, je te bénis. Avec ces affirmations positives éternelles, je le dis à haute voix, Dieu, tu es avec moi. J'utilise cette parole parce que je sais que tu as accompli maintenant des choses. Seigneur, merci, je suis heureuse et reconnaissante. Lorsque tu fais des affirmations positives, tu dois prendre le temps toujours de dire je suis heureuse et reconnaissante. Que j'ai dit hier, tu peux prendre un stylo, écris-le. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Please, I beg you. Il y a des moments où je parle, j'ai les yeux fermés. Je suis heureuse et reconnaissante pour ma grossesse et j'arrive à terme. Je suis heureuse et reconnaissante que l'Éternel me montre la meilleure façon de prier. Et je rentre encore dans la profondeur. Déclare, dis des bonnes choses. Dis sur ta vie, je ne serai plus abandonné par un homme. Je ne serai plus haï. Je ne serai plus délaissé. Je ne connaîtrai plus les fausses couches. Il n'y aura plus de rivalité. Déclare-le avec foi, avec persévérance. Ne le dis pas comme étant un slogan et fais confiance à l'Éternel. Dieu va te guider. Même quand les moments difficiles sera là, tu pourras être en train de dire, maman a dit affirme-moi positivement. Moi j'affirme, il n'y a rien qui se fait. Le contraire, ma situation ne fait que s'empirer. Il y aura le ping-pong qui sera là dans ta tête. Il y aura des paroles qui vont se battre. Ou on va même te dire, hé, laisse pour toi. Toi là. Toi, tu ne peux même pas rire. Toi, tu ne peux même pas aller de l'avant. Toi, tu ne peux même pas être béni. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi là où tu es. Hier, nous avons lu alors le psaume 119, verset 68. Aujourd'hui, je t'emmène encore sur le psaume 46, verset 1. La Bible dit ceci. Au chef des chantres des fils de Corée, à la motte cantique, je prends verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans le désert. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent,
au cœur des mers. Ton cœur ne doit pas être bouleversé lorsque même tu déclares, lorsque même tu remarques que rien ne se fait, lorsque même tu remarques que tu as fait la FIV, ça n'a pas marché, lorsque tu remarques même qu'on t'a dit que tu ne peux plus tomber enceinte, lorsque même tu remarques qu'on te dit que cette maladie est grave. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes de foi. Mais ça tombe alors un mercredi qui se fait alors que c'est le 29. On doit déclarer tout à l'heure. On va prier tout à l'heure pour te permettre alors de déclarer et le mois d'octobre soit le mois des tests de grossesse positifs pour toi. Enlève l'anxiété, dis à l'Éternel, l'anxiété est déracinée, la honte est déracinée, le rejet est déraciné, le masque de vieillesse est déraciné. Seigneur, je suis heureuse parce que je brille. La joie sera mon partage, tu dois le déclarer et décréter. Affirme alors, ça va t'aider à te calmer, à sortir même des angoisses inutiles. Tu vas dire à l'Éternel, je ne suis pas seulement une femme à mougou, je suis une femme à épouser, je suis une femme à marier, je suis une femme à honorer, je ne suis pas seulement comment est-ce que je peux appeler ça, les roues de secours. Je suis une femme respectée. Je ne suis pas une femme qu'on peut se lever ou un homme pour faire le Congo ça sur moi. Je suis une personne aimante. Moi, je vous ai dit hier, moi, je m'aime. La manière dont moi, je m'aime, quoi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'aime comme moi, je m'aime. I don't know. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'aime comme moi, je m'aime, là. Parce que tout le temps, je répète et je dis à l'Éternel, Seigneur, merci pour mes gros jours, là. J'aime ça. Seigneur, merci pour mes bourrelets là. Moi, j'aime ça. Seigneur, merci. Seigneur, mes accordéons, merci parce que tu as permis que je puisse les avoir. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Merci. Merci pour mon visage là, éternel, qui est comme ça. Aime-toi toi-même. Estime-toi heureuse toi-même. Tu dois apprendre à t'estimer d'abord heureuse toi-même pour que les portes s'ouvrent. Estime d'abord heureuse toi-même. Considère-toi toi-même d'abord pour que les gens à l'extérieur puissent te considérer. Pour que les gens à l'extérieur puissent t'accepter. La Bible nous a parlé, tu vas ouvrir dans Philippiens 4, verset 6. Tu vas le lire en tout cas. Ouvre ton cœur, accepte la paix. L'Éternel te guérira. L'Éternel te bénira. L'Éternel étendra les limites de ta vie lorsque tu l'acceptes. Fais-lui confiance. Jérémie 29 au verset 11. Notre Dieu, il est fidèle. Il ne peut pas te faire promettre quelque chose qu'il ne va pas faire pour toi. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas si quelqu'un était à cette époque-là, quand on était à l'école, quand on faisait quelque chose de mauvais, on nous demandait de le répéter sur un bout de papier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu ça? On nous demandait de l'écrire encore, je ne ferai plus du bruit en classe, je ne dérangerai plus en classe, je ne mangerai plus en classe, je ne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu as connu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu ça? Je veux t'entendre réagir, s'il te plaît. Vous savez pourquoi on nous l'a dit souvent à l'école? Ce sont des affirmations positives, mais on ne l'a pas bien expliqué, on ne nous l'a pas bien enseigné, on ne nous l'a pas bien montré. En fait, ce sont des affirmations positives. Lorsque tu les répètes, au fur et à mesure que tu les répètes, le changement réellement rentre dedans de toi. Tu vas remarquer une personne qui faisait du bruit dans la classe, la personne est transformée totalement. Parfois, la personne qui faisait du bruit, on va nommer cette personne chef de classe, la personne est transformée. Les affirmations positives vont te permettre d'avancer. Les affirmations positives vont t'ouvrir même les portes que tu n'as pas imaginé que ces portes pouvaient s'ouvrir pour toi. Les affirmations positives vont briser et brûler les projets de l'ennemi contre ta joie. Les affirmations positives vont te guérir d'une manière miraculeuse. Parce que l'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir.
Tu n'es pas encore une mère aujourd'hui. Tu es en train de chercher un enfant. Tu es une femme célibataire. Tu es en train de chercher un mari. Tu es un homme célibataire. Tu es en train de chercher une femme. Tu es là, rien ne va dans ta vie. Les portes sont fermées. Tout est stagné. Tout est stoppé. Tu as l'impression que Dieu est injuste avec toi. Dieu n'est pas injuste avec toi. Dieu voulait que tu puisses entendre cette parole pour que tu rentres en profondeur et que les miracles s'opèrent. Je veux qu'on aille faire ces déclarations avec foi. Les affirmations positives vont te permettre en fait d'être béni, vont te permettre d'ouvrir ton ciel. C'est l'auto-conversation entre toi et Dieu. C'est ainsi que tu vas remarquer, il y a une question encore que je vais poser, qui remarque souvent, tu penses à une personne forte et en quelque temps seulement la personne t'appelle. Et tu dis à la personne, c'est justement toi que je voulais appeler. À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé? Tu dis, moi, maman. À qui c'est déjà arrivé? Tu vas penser à une personne très fortement et tu es surprise en quelques secondes. La personne est en train de t'appeler ou tu veux prendre ton téléphone même pour appeler cette personne et la personne qui t'appelle. L'Éternel, il est Dieu. L'Éternel, notre Dieu, il a tout mis au-dedans de nous. Amen. L'Éternel a tout mis au-dedans de nous. L'Éternel nous a... C'est-à-dire que nous sommes des dieux. Il a tout mis au-dedans de nous. Nous avons la capacité de le déclarer et de vivre la grandeur. Ne le fais pas comme étant un slogan. Fais-le avec le Saint-Esprit. Fais-le avec l'Éternel. Pense très fortement à ton miracle que tu veux voir. Mon test de grossesse doit être positif. Que je sois en bonne période, mauvaise période. Lorsque je mougou avec mon mari, moi, mon test sera positif. Que je sois indisposé ou non, que j'ai des menstruations ou non, moi, mon test de grossesse sera positif. Que les spermatozoïdes de mon mari soient forts ou non, j'ai des fibromes ou myomes ou kystes ovariens ou radiocassettes ou Walkman dans le ventre ou non. Moi, je veux vivre mon miracle. Qu'on m'ait coupé les trompes et les matrices ou non, je veux porter ma grossesse. Je veux porter ma joie. Le médecin sera surpris. Le médecin sera surpris des miracles qui s'opèrent en moi. Le médecin va ouvrir la bouche, il va crier de ce que Dieu est en train de faire pour moi. Le médecin dira, il n'a jamais vu ce genre de miracle pour ce que Dieu est en train de faire pour moi. Alléluia. Déclare avec foi et avance, et les miracles vont s'opérer. Déclare avec foi et continue, et le ciel de ta vie va s'ouvrir. Déclare-le, pas superficiellement, entièrement. Moi, lorsqu'on m'a coupé des trompes, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je faisais. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Là où je suis, c'est ce que je fais. Je mets le Saint-Esprit de Dieu devant moi. Je laisse l'Éternel prendre le contrôle de toutes choses. À tel point que c'est devenu automatique. Voilà pourquoi je dis aux gens, va prendre ton huile d'onction. L'huile d'onction en soi n'opère pas des miracles. Mais l'huile d'onction est ton point de contact qui va te permettre d'être béni, qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre de palper réellement la main de Dieu et de t'épargner des dangers et de t'épargner des incidents et de te protéger. Pourquoi? Parce que moi, avec l'Éternel, on a déjà parlé. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit déjà, il se servira des mains de Clausel pour bénir, pour délivrer. Pourquoi? C'est ainsi que vous êtes en train de voir, dispose ta foi, dispose ton cœur. Tu n'as pas besoin alors de combattre ou de te battre inutilement. Laisse l'Éternel faire son parcours dans ta vie. Accepte que le Saint-Esprit de Dieu te conduise comme lui veut te conduire. Laisse le Saint-Esprit de Dieu aller avec toi. Dispose ton cœur, déclare, mets des affirmations positives. Dis-les alors encore et ne t'arrête pas. Je suis en parfaite santé. L'or et l'argent circulent dans ma vie.
Mes ventes augmentent tous les jours. Superflu alors des miracles pour moi. Aimer la vie. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aime la vidéo, je t'en prie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Maintenant, nous voulons prier. Je veux que tu reviennes au-dedans de toi. Dieu n'a pas encore fini de faire des miracles. Je te dis la vérité. Dieu n'a pas encore fini d'opérer des miracles, de délivrer, d'ouvrir, de changer. Voilà pourquoi je me lève comme l'oracle du Dieu très haut et sur ta vie, je déclare le sang de l'agneau immolé. Je te lave dans le sang de Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit. Je te lave dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te lave dans le sang de l'agneau immolé qui a coulé à la croix de Golgotha. Là où les problèmes rentrent, je mets le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les soucis prennent le dessus, je mets le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la maladie grandit, je mets le sang de Jésus. Là où le péché a surabondé, je mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ton nom. Le sang de Jésus sur les prophéties que tu as reçues. Le sang de Jésus, le sang de miséricorde, descende sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Le sang descend maintenant en abondance pour changer ton nom dans le nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau immolé qui crie plus que le sang d'Abel. Oh, laisse que tu sois une référence pour ta famille. Laisse que tu sois une référence pour ta famille. Laisse que mon Dieu change ton identité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, my Lord. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel opère, que l'Éternel délivre, que l'Éternel ouvre au nom de Jésus. Sois privilégié maintenant par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je veux que tu commences à dire maintenant. Je mets le sang de Jésus sur ma langue éternelle. Le sang de Jésus-Christ est sur ma langue. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est sur ma langue. Au nom de Jésus, ma langue devient une flamme de feu. Seigneur, ce que je dis, c'est ce que tu fais. Seigneur, les personnes qui ont besoin de toi, tu les guéris, tu restaures, tu changes, tu renouvelles l'éternel et tu mets des pièces de rechange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, Clausel, va parler, moi j'agirai. Au nom de Jésus, je veux que tu dises après moi, Éternel, je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je suis une femme à tomber enceinte et à porter des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens honorer la parole du Père dans ma vie maintenant. Je ne suis pas obligée de pleurer, de quémander. Je ne suis pas obligée de pleurer et de manquer. Je ne suis pas obligée alors maintenant de souffrir pour que moi j'aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la maladie existe, ton sang existe. Cette maladie a un nom, tu as un nom éternel qui est devant lequel tout genou fléchit. Les maladies ont des noms, ce que je traverse a des noms. Le célibat a le nom éternel, mais nous avons un nom devant lequel tout genou fléchit. La famille m'a donné des noms, mais tu as le nom éternel qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens à toi. Impacte ma vie positivement. Ma vie est impactée positivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureuse et reconnaissante. Le bangala de mon mari ne rentre plus dans le corps, ne rentrera plus jamais dans le corps d'une autre femme. Et ma femme ne me trompera plus jamais. L'harmonie règne dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Je suis heureuse et reconnaissante, Éternel, parce que tu as annulé les dettes que nous avions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureuse et reconnaissante, Éternel, parce que les anges sont libérés de partout pour soutenir mon ministère, pour bénir ma vie, pour soutenir l'événement du 8 au 10, Éternel. Je suis heureuse et reconnaissante parce que le plan parfait, Éternel, de ta vie se manifeste dans mon couple, se manifeste dans mon lieu de travail, se manifeste pour mes papiers, se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth.
De la même manière, en classe éternelle, on me disait d'écrire 100 fois, d'écrire 200 fois, d'écrire 500 fois, de remplir tout un cahier que je ne ferai plus du bruit dans la classe. De la même manière, éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai arrêté de faire du bruit ou de déranger. Aujourd'hui, je viens déclarer, décréter, la maladie ne grandira plus dans ma vie. La maladie n'a plus de place dans ma vie. La maladie ne se fera plus voir à l'hôpital. La maladie disparaît. Je suis totalement guéri, entièrement guéri, ou encore guéri au nom de Jésus. Je suis guéri le matin, à midi et le soir. Maintenant, mon corps change. Je rentre dans les affirmations positives. Mes quintuplés sont là. Mes triplés sont là. Mes enfants sont là. Mon fils est là. Ma fille est là. Au nom de Jésus-Christ, ma vision change. Je vois maintenant plus loin. Mon ministère change. Je sens l'odorat maintenant. Mon odorat spirituel maintenant se manifeste. Au nom de Jésus, mon témoignage est le prochain. Au nom de Jésus, je serai la prochaine personne qu'on va, Papa Seigneur, partager, publier son témoignage. Au nom de Jésus, je suis heureuse et reconnaissante. Que les personnes continuent de souscrire sur cette chaîne. Je suis heureuse et reconnaissante que chaque main éternelle qui est en train, Papa, de partager, de liker ou de commenter, éternel, mon Dieu, voit la gloire de l'éternel. Je suis heureuse et reconnaissante. Toi, le Dieu qui m'a donné des enfants sans trompe, sans matrice, tu es en train d'impacter les entrailles de tes enfants. Tu es en train d'impacter les finances de tes enfants. Tu es en train d'impacter éternel et les permettre d'aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je suis heureuse et reconnaissante en tant que ta fille, en tant que femme de foi, et j'avance maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire, crois fermement maintenant ces affirmations. Dis à l'Éternel, je suis heureuse et reconnaissante que ces affirmations éternelles influencent ma vie, influencent mes pensées, influencent positivement, éternel, mon Dieu, mon roi, mon avancement spirituel, au nom de Jésus. Je suis cohérente avec le Saint-Esprit de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. J'affirme que je suis bénie. Moi, j'entends, je sais, je vois, éternel, que je suis un témoignage vivant. Moi, j'entends, je sais, éternel, que mes documents sont libérés. Moi, je suis heureuse, éternel, j'entends, je vois, je sens, éternel, le temps de rire est là pour moi. Déclare, va déclarer, Yandarabo Shendereke, Korishkanamana Shikemene, Koriabababa, Yenderebere Shike, va déclarer au nom de Jésus, va déclarer que tu rentres dans ton mariage, va déclarer au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, ton mari là, il ne va plus écouter ta belle famille, il ne va plus écouter, cette fois-ci on ne te volera pas ton miracle. Au nom de Jésus, je déclare et décrète toute maladie dans mon corps est terminée au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis heureuse et reconnaissante, éternel, alléluia, que ta gloire se manifeste dans mon corps positivement maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors que je parle à haute voix devant mon miroir éternel, oh, moi je suis belle. Oh Seigneur, j'aime ma bundi là, j'aime beaucoup mes joues là, j'aime mes accordéons, Seigneur, moi j'aime ça. Seigneur, merci parce que tu m'as fait à ton image. Seigneur, merci parce que, Papa, mon ministère influence la vie de plusieurs personnes en ton temps éternel. Alléluia. Seigneur Dieu des armées, moi je suis ce que toi tu dis que je suis, éternel, parce que toi-même tu t'appelles je suis. Alléluia. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis béni, je suis assise, je suis guérie, je suis restaurée, je change, je suis une source de bénédiction, une source de miracles, une source d'avancement, une source éternelle, mon Dieu, mon roi intarissable, parce que toi tu es en train d'agir dans ma vie. Je suis une bénédiction, je suis un miracle, je suis l'avancement, je suis la femme la plus riche éternelle, Papa, dans le ministère. Je suis la femme la plus évoluée éternelle dans le ministère. Je suis heureuse et reconnaissante parce que le Saint-Esprit de Dieu m'enseigne les leçons qu'à l'école on n'apprend pas. Je suis heureuse et reconnaissante éternelle, mon Dieu, mon roi, parce que les finances coulent à flot dans ma vie. Va déclarer, décrète-le, déclare-le, va rentrer dans la profondeur, il n'y aura plus de mort. La vie rentre maintenant, je déclare et décrète, éternel Papa, que tu es avec moi. Moi je sais, moi j'entends, moi je vois le sang de Jésus me faire passer à un niveau supérieur. Moi je sais, moi j'entends, éternel, je ne serai plus la même personne. Moi j'entends, moi je sais, éternel Papa, je suis l'instrument sur lequel tu es en train de te servir en ton temps. Yandarabo Shendereke, Korishkanamana Shike. Moi je sais et j'entends.
je n'aurai plus des enfants de pères différents. Moi, je sais, Éternel, je sens, j'entends, Éternel, je ne serai plus dans la souffrance. Moi, j'entends et moi, je sais, ma vie est saturée des miracles. Ma vie est saturée de la restauration. Ma vie est saturée de la gloire. Ma vie est saturée de la protection divine, Éternel. Les jougs sont tombés, la honte est tombée, les dettes sont tombées. Je suis racheté, Éternel, alléluia. Ma vie est remplie de joie, ma vie est remplie de joie, ma vie est remplie de changement, ma vie est remplie de miracles. Ma vie est remplie de témoignages éternels. Je ne force pas. Oh, je suis heureuse et reconnaissante parce que le sang de Jésus parle en ma faveur, crie en ma faveur. Même dans mon sommeil, ta protection est là. On ne va plus me vaincre dans le rêve. Je déclare et décrète éternel le temps de rire. Moi, je sais, je suis béni. Je suis éternel, mon Dieu, la tête et non la queue. Chaque accident, incident, Seigneur, je serai prévenu. Je ne tomberai plus dans les pièges de l'ennemi. Chaque combat se levant devant moi. Tu opères dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu me fais avancer, Éternel. Tu me fais briller, Éternel. Tu changes mon identité. Tu me relèves, Éternel. Tu me fais aimer maintenant. Oh, celui qui est parti, celle qui est partie, ceux qui se moquent de moi me verront aller de l'avant. Je suis une source de bénédiction. Oh, je dégage les miracles. Moi, je dégage les témoignages. Moi, je dégage, alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Aucune autre femme ne pourra rentrer dans le cœur de mon mari. Aucune autre femme ne pourra prendre le contrôle de mon mari. By fire, by force. Je déclare et décrète éternel. Je suis ta fille. Même quand je traverse les vallées de l'homme de la mort, la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, je sais que ta houlette et ton bâton vont me rassurer au nom de Jésus. Le sang de l'agneau immolé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je plaide le sang de l'agneau immolé dans mes entrailles, sur ma vie. Dans le mois d'octobre, je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les, Papa Seigneur, pour les écailles qui tombent des yeux, je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth parce que je suis une femme bénie. Mon ventre éternel est prêt à porter des enfants. Mon ventre éternel est prêt à porter des jumeaux, des triplés, des quintuplés. Au nom de Jésus, j'implore le sang de Jésus dans ma vie éternelle. J'implore le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ma famille élargie, dans ma famille restreinte. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur le nom de ma famille. Et je déclare et décrète le temps pour moi d'avancer, le temps pour moi de partir et de vivre dans la gloire, et de vivre dans la gloire et d'être à un niveau supérieur. Je paralyse éternel toute voix qui viendra me dire dans mon oreille, tu ne peux pas le vivre, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'entendre. Je les paralyse éternel, je paralyse les oppresseurs et le sang de Jésus-Christ rentre dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit et que je vive des miracles. By fire, by force, in the name of Jesus. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse du bien. Continue à déclarer. Formule cela. Écris cela. Prends un stylo. Commence toujours par « Je suis ». Alléluia. Commence toujours par « Je suis ». Je suis très heureuse et reconnaissante que « Je suis ». Je suis, Dieu lui-même, il est je suis. Alors toi aussi tu es je suis. Déclare-le. Dis-le avec confiance. Même quand tu as mal, tu te lèves, tu as mal. Tu te lèves, tu n'en peux pas. Tu sens les vertiges. Tu es malade, tu es dans une situation où tu ne peux même pas bouger. Tu es dans une situation vraiment, comme on dit, la tristesse est là. Dis seulement, tout va bien. Voilà pourquoi chez nous, nous disons, tout va bien. Dis, tout va bien. Tout va bien. Dis-le haut et fort. Lorsque tu le dis, sans que tu dégages l'énergie positive autour de toi, sans que tu dégages l'atmosphère du changement autour de toi, sans que tu dégages quelque chose de grand autour de toi. Lorsque tu le dis, inclus ta foi, alléluia, 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 inclus ta foi,
Ajoute ta foi. Mets ta foi. Dis, augmente l'amour. Augmente le partage. Augmente les actions de grâce. Augmente à t'occuper même d'une personne qui est en train de souffrir à côté de toi. Augmente encore. Tu vas remarquer lorsque tu le fais au fur et à mesure que tu le fais, ça va susciter l'espoir. Ça va changer les situations. Là où tu étais désespéré, tu auras le courage. Et tu auras des inspirations que l'Éternel va te donner pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, l'Éternel a juste besoin d'une personne pour changer l'histoire d'une famille. Et cette personne, c'est toi. Et cette personne, c'est toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, c'est toi. Dis à l'Éternel, je suis heureuse et reconnaissante parce que je monte à un niveau supérieur. Moi, je sais. Moi, j'entends. Moi, je vois. Moi, je sens, Éternel, que je suis miracle. Je suis faveur. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis relevé. Je suis aimé. Je suis chéri. Je suis mère, je suis. Déclare-le avec foi. Et les miracles vont s'opérer. Déclare-le encore avec foi. Et dis à l'Éternel, les ennemis de ma croissance spirituelle, ils ne me verront jamais. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis heureuse et reconnaissante. Mon dossier est monté très haut. Je suis heureuse et reconnaissante parce que ma bénédiction est au niveau accéléré. Et reviens avec ton témoignage. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse du bien. On va se retrouver tout à l'heure avec la prière de 23h30 pour déclarer pour le mois d'octobre. Demain, ça sera le dernier jour. On a besoin d'être bénis. Que mon Dieu vous bénisse. I love you so much. Je dis à très bientôt. Ne m'appelez pas, je vous en prie. Shalom.